Je m'appelle Myriam Bouchard, j'ai co-réalisé le film Ligne de fuite. Catherine Chabot, scénariste, réalisatrice et actrice pour le film Ligne de fuite. Ligne de fuite, ça raconte l'histoire de trois amis qui se retrouvent, ça fait un an qu'elles se sont vues en fait, et elles vont sortir en ville pour célébrer, entre autres, le vernissage de la copine d'une des filles. Elles vont passer la soirée ensemble, leur chum, leur conjoint, leur blonde vont être là. Puis finalement, ben, ça va peut-être un peu mal tourner. Sur fond de crise climatique, il y aura aussi une crise d'amitié. Au départ, j'avais des questionnements à l'aube de la trentaine. En fait, je me posais des questions par rapport à si j'étais rendue là où je voulais être à 30 ans. Est-ce que je correspondais à mes propres attentes, aux attentes que les autres se faisaient de moi, que ma famille se fait de moi, que la société attend de moi? Il y a eu la question des enfants aussi qui s'est mise à se poser. Bon, je vais avoir 30 ans. Est-ce que je veux une famille? Est-ce que j'ai le bon conjoint pour le faire? C'est quoi? Qu'est-ce que je veux réaliser là? T'sais, parce que la trentaine, c'est un petit peu la dizaine de la carrière. Donc, on s'installe, on s'établit, on se définit professionnellement beaucoup. Donc c'était plusieurs questionnements avec une couche d'éco-anxiété aussi, parce que le rapport du GIEC qui était sorti au moment de l'écriture nous donnait environ 10 ans pour réduire de 50 % nos émissions de gaz à effet de serre pour atteindre un point en tout cas, pas de zéro carbone, mais en tout cas pour essayer d'inverser la vapeur. Le dernier rapport nous donne 4 ans. Donc, le film est de plus en plus actuel. C'est drôle, mais dans la dernière année, vous le vivez probablement à Angoulême avec les vagues de chaleur que vous avez en France. L'Europe brûle en ce moment. C'est assez intense. Vous avez une tempête de grêle aussi. Mon cousin habite à Bordeaux. Et puis, il m'a montré des grêlons immenses qu'il avait reçus chez lui. Il me disait, mais voyons, ça n'a pas de bon sens. Donc, tu sais, le film s'actualise de lui-même. Puis, si bien que, en fait, ça me donne des petits frissons. Puis, il y a quelque chose d'un petit peu, pas divinatoire, mais comment dire, la nature s'emballe. Puis, ben, on le constate de plus en plus. Puis, on est inquiet de plus en plus. Donc, il y a tout ça. Et je voulais aussi essayer de donner un portrait politique de gauche à droite de ma génération. Je voulais essayer d'explorer comme le spectre des idéaux politiques à 30 ans, donc de gauche à droite. Est-ce que mes contemporains ressemblent à nos parents, aux générations d'avant? Tu sais, quand on. Fait que j'ai fait des entrevues beaucoup avec plusieurs personnes de différents horizons, avec un philosophe, avec un doctorat en physique, avec un bûcheron. Avec une avocate, avec une urbaniste, pour voir un petit peu. Je voulais donner la parole à tout le monde. Une parole qui, dans le film, s'entrechoque, et c'est des idéaux qui se rencontrent et qui finalement, répondent à aucune question. Il n'y a personne qui a raison. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour aider l'anxiété que vit ma fille et cette génération d'adolescents qui ne veulent plus avoir d'enfants parce que demain, ça sera la fin du monde. Et dans Ligne de fuite, il y a vraiment ce thème d'aborder. Donc, dans un premier temps, il y a ça qui m'a parlé très, très fort. Ensuite, ben, c'est sûr que les dialogues, moi, j'ai ri dès ma première lecture, puis je tombe en amour avec les personnages. Je trouvais ça super intéressant que six personnages composaient en réalité les six facettes d'un seul dé. Et que donc, ces six personnages-là pouvaient vivre en nous tous, et certainement en l'auteur Catherine Chabot. Ça, c'est clair. J'ai une amie qui travaille au doctorat en ce moment, en études autochtones, elle s'intéresse beaucoup au castor parce que dans la philosophie autochtone, il y a beaucoup le rapport aux animaux, puis à la façon dont les animaux vivent devrait inspirer notre façon de vivre aussi. Comment la nature évolue devrait inspirer notre façon de l'aborder, d'aborder l'environnement aussi, puis nos contemporains. Donc, le castor, c'est mon amie Marie-Sophie est très brillante. C'est elle qui a lu Deleuze, d'ailleurs. Moi, j'ai pas été capable de me taper Deleuze, mais elle m'a fait des bons résumés de ce que c'est une ligne de fuite. Donc, ça m'a quand même. J'ai pris ce que je comprenais, puis je l'ai mis dans le film.
Mais c'est cette amie-là, Marie-Sophie Banville, qui est l'intelligence derrière le film. Et donc, le castor, elle étudie le castor, puis elle en parlait. Je me dis, mais mon Dieu, tu sais, à quel point c'est intéressant de s'inspirer de la façon de vivre du castor, qui est l'emblème du Canada. C'est très drôle, c'est notre emblème. Les Canadiens et le castor. Le castor est un animal qui prend soin de son environnement, qui, lorsque son barrage brise, il va le réparer tout de suite. Il accueille chez lui, justement, plein de petites bêtes l'hiver quand il hiberne. Il les invite à venir chez lui pour les protéger du froid. C'est un animal qui est très empathique, ou ben, je pense pas qu'il y ait de l'empathie consciente, mais il pose des gestes instinctifs qui sont des gestes de protection, d'entraide, des gestes de communauté. Et donc, ouais, c'est comme une petite bête pleine d'empathie, puis on devrait s'inspirer de lui. Chacun incarne un pôle politique, puis avec ça, c'est sûr qu'ils sont très campés, tu sais, fallait pas tomber dans la caricature, mais il fallait quand même bien les identifier avec une majorité silencieuse au centre, la majorité qui dit pas grand-chose, puis celle qui s'exprime aux deux côtés du spectre. Donc oui, la fille de gauche qui est finalement très très égoïste, très 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 centrée sur elle-même, très individualiste, puis la fille de droite qui est finalement extrêmement généreuse. Donc chacune a quand même une certaine forme de nuances, puis des zones d'ombre, des angles morts qui font en sorte qu'on n'est pas tout un ou tout l'autre, on n'est pas nécessairement les valeurs qu'on prône non plus. Donc il y a quand même j'ai essayé d'un petit peu brouiller les cartes malgré tout pour en faire des êtres complexes et intéressants à regarder, ça c'est sûr. Et donc c'est ça, dans un trio d'amis, évidemment, c'est un super bon prétexte pour incarner ces pôles-là, puis avec la polarisation aussi actuellement qu'on peut voir sur les réseaux sociaux depuis la pandémie. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une polarisation extrême. Il y a la haine sur les réseaux sociaux des deux côtés qui se fait aller sans gêne. Donc, il y avait aussi ça qui m'inquiétait beaucoup. Je me disais, écoute, ça se divise beaucoup, ça se polarise. Il y a comme une montée de la haine aussi que je voulais aussi incarner dans le film et dans les personnages. En quelque part, on est tous des stéréotypes, hein? Sur deux pattes. Donc, oui, effectivement, dans notre entourage, tu sais, moi, je vais avoir 50 ans, Catherine qui a scénarisé est plus début trentaine, mais on a les mêmes cercles d'amis. En quelque part, on a les mêmes dynamiques avec nos amis du secondaire, de l'université, ou même nos amitiés plus récentes. Et on retrouve toujours certains traits de caractère. Puis, ce qui est intéressant, c'est de se demander, ces gens-là qu'on a aimés d'emblée à 11 ans ou à 14 ans, est-ce que c'est vraiment encore nos amis à 34 ans ou à 48 ans? Est-ce qu'on s'aimerait si on se rencontrait tout de suite, là, comme ça, genre à 48 ans? Qu'est-ce qui fait que cette amitié-là doit comme se poursuivre? Pourquoi on la nourrit? Est-ce qu'on s'accepte vraiment comme on est? Tu sais, c'est toutes des questions qu'on se pose. Ben, chaque génération, au détour de la trentaine, va se poser ce genre de questions-là. On fait un ménage un peu dans nos amitiés. On se demande, est-ce que j'ai choisi la carrière, idéale pour moi? Est-ce que j'emprunte le bon chemin? Est-ce que je veux fonder une famille? Est-ce que je ne veux pas avoir d'enfants? Donc, tout ce questionnement-là, on le vit à chaque génération. Je voulais vraiment dresser un portrait générationnel. Donc, la génération et ses angoisses, ses inquiétudes, ses questionnements, c'est comme une grosse bouillabaisse dans laquelle j'ai foutu tous mes enjeux personnels. J'ai mis ça là-dedans. Puis, on a fait une histoire avec ça. Les plus grandes chicanes qu'on peut vivre autour d'une table après avoir pris quelques verres, mettons, c'est où on fait nos courses. Qui va chez le petit marchand du quartier et qui va dans les grandes surfaces? Et pourquoi? Puis comment ne pas encourager, je ne vais pas dire les Américains, c'est pas ça, mais disons l'américanisation, le gros distributeur versus le monsieur qu'on trouve sympathique, Marcel qui fait son pain au coin de la rue. Tu sais, ça aussi, ça polarise en quelque part notre manière de consommer. Tu sais.
Je ne sais pas chez vous comment ça se passe au niveau climatique, mais chez nous, on en a des tempêtes de grêle, tu sais, puis des gros grêlons, des trucs qui ont comme pas rapport dans notre climat, tu sais, ou de la chaleur instant folle en avril, puis des soirées fraîches en juillet. Fait qu'on la vit, cette crise climatique-là. C'est sûr qu'en ce moment, avec ce qui se passe à la guerre en Ukraine, en plus, les gens commencent à comprendre un peu, tu sais, ah ouais, l'essence, ça coûte cher. Donc, tu sais, donc, il y a comme, on le vit vraiment. Ligne de fuite, c'est maintenant. C'est pas dans 20 ans, tu sais. On est confronté tous les jours à cette crise climatique-là, mais tant qu'elle ne nous affecte pas personnellement, il n'y a rien qui va changer. Tant que nos habitudes, notre mode de vie n'est pas affecté, tant qu'on peut acheter des gogos sur Amazon, tant qu'on peut aller voyager aux Canaries, tant qu'on peut prendre l'avion puis s'acheter des bebelles, ben il y a rien qui va changer tant qu'on ne sera pas affecté personnellement. Donc, l'idée de la grêle, c'était cette idée que la nature va reprendre un jour ses droits sur l'humain qui, lui, ben, l'humain faisant partie de la nature, évidemment, mais c'est la nature qui se manifeste, puis c'est la nature qui met un terme à l'espèce d'engueulade, à cette espèce d'opposition-là. T'as un peu l'image de les pays en guerre. Qu'est-ce qui peut arrêter ça à part un tremblement de terre dans lequel tout le monde est foutu? Puis là, à un moment donné, on se ramasse tous à la même place. Puis qu'est-ce qu'on fait rendu là? Quand tout est détruit, on est tous à la même place, on est tous au même niveau, on vient à la case départ, on n'a pas le choix de faire une sorte de table rase. Puis quand tu n'as plus rien, qu'est-ce qu'on fait? Fait que ce qui reste à la fin de ce film-là, c'est les 6 personnages qui se regardent dans les yeux et qui se demandent « Et maintenant, quoi? » Mais non, hey, ça, c'est bien trop présomptueux. C'est impossible. On ne peut pas revendiquer de vouloir faire non, impossible. C'est pas ce qu'on voulait faire. Ça n'avait pas nécessairement cette ambition. Je pense que ça l'est un petit peu malgré lui, là, tu sais, dans le sens que c'était pas, ça n'a pas été créé pour ça, mais j'avais envie de parler pour moi, par moi, avec moi. Donc, je voulais que me sentir représentée, je voulais que j'avais envie qu'on puisse s'identifier au cinéma. Je pense qu'effectivement, ça capte un moment, là, maintenant. On est vraiment dans le maintenant ici. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas que les trentenaires d'aujourd'hui qui vivent ce questionnement-là. Je pense que ma mère a vécu ce questionnement-là au début trentaine, dans les débuts des années 80. Moi, j'ai vécu le même questionnement au début de ma trentaine. Il n'y a pas d'âge pour se remettre en question, parce que la question de la ligne de fuite, hein, c'est, je pense qu'on l'a à toutes les époques, là, tu sais, on peut se poser la question, est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que j'écoute cette pulsion-là intérieure qui m'habite, ou est-ce que je la tais? Qu'est-ce que je fais à l'aube de la cinquantaine? On a la crise de la quarantaine, de la cinquantaine, il n'y a pas d'âge pour se remettre en question. Donc, je pense que ça peut vraiment toucher tout le monde. Puis la question de l'environnement, de l'écologie, évidemment, ça, je pense que ça peut aller joindre plusieurs d'entre nous aussi, malgré les âges. La morale, ça pourrait être ça. L'amitié, c'est pas... il faut se choisir de nouveau. C'est peut-être comme en amour aussi. Mais l'amitié, c'est aussi s'accepter comme on est, sans jugement. Donc, accepter l'autre comme il est. Puis, à partir du moment où il y a du jugement, ça passe pas super bien. La morale, ce serait peut-être un peu aussi, ben, ramassez-vous, puis compostez, puis faites attention à la planète. T'sais, nous, on s'est amusés aussi à... Tu parlais de génération tout à l'heure, là, je reviens un peu à ça. C'est sûr, les chansons représentent aussi tout à fait des choix musicaux de ici, maintenant, de cette génération-là. Donc, quelque chose de très, effectivement, actuel. Après, dans la manière de filmer, on a décidé d'avoir des caméras très en travelling au début. Tu sais, j'avais envie d'avoir plus de caméras à épaule, après d'aller dans les plans plus serrés, un peu disgracieux. Tu sais, tout ça, c'est du langage cinématographique qui n'a pas d'année, tu sais, qui n'a pas d'époque. Il y avait cette idée-là du rôle social qu'on joue à l'intérieur d'un groupe. On joue des rôles dans notre famille. On joue à être l'aîné dans une famille. On joue à être la cadette. On a des rôles bien, bien, bien précis dans une famille, dans un groupe d'amis. Quand je pense à mes amis au conservatoire d'art dramatique, là, on était 10 comédiens au conservatoire pendant 3 ans ensemble. Puis quand on se retrouve 10 ans plus tard, ben moi, je suis encore l'intense, la gang.
Je suis encore celle qui est. Oui, j'ai encore ce rôle-là 10 ans plus tard. Je me suis assagie un petit peu, bien que je demeure un petit peu intense. Mais oui, donc, ce rôle-là, c'est difficile de changer la perspective que les autres ont sur nous et de nous sur les autres aussi, de laisser la chance à l'autre d'évoluer, tu sais. C'est comme dans un couple aussi. Dans un couple, on a un rôle, on a figé l'autre dans quelque chose. Puis pour qu'un couple évolue puis continue de bien fonctionner à travers les années, ben, c'est laisser la possibilité à l'autre d'explorer différentes affaires, tu sais. Puis c'est comme ça en amitié aussi. Moi, l'amie dont je vous parlais au départ, Marie-Sophie Banville, qui est l'extraordinaire génie derrière toute la philosophie du film, c'est ma meilleure amie du secondaire. Tu sais, on est amis ensemble depuis qu'on a 14 ans. Donc, on évolue ensemble merveilleusement. On arrive au même carrefour professionnel, au même carrefour amoureux. On se pose les mêmes questions au même moment. Donc, il y a vraiment possibilité d'évoluer ensemble si on se laisse la chance. Il y a possibilité d'être en phase avec des amis du secondaire. Mais c'est, oui, c'était vraiment un désir d'explorer les rôles sociaux, les rôles les masques qu'on porte aussi, que j'essaie de faire voler en éclats à la fin du film, évidemment, parce que c'est fatigant, c'est toxique, puis parce qu'on n'est pas obligé de se faire vivre ça. Selon Deleuze, il y aurait la ligne souple, la ligne dure et la ligne de fuite. Donc, la ligne dure, c'est la ligne que la plupart de nous empruntons, c'est-à-dire aller à l'école, vie professionnelle, faire une famille, mariage, et donc la retraite et la mort. Donc, le parcours usuel, le parcours dans le cadre, on ne sort pas de la ligne, on ne sort pas de ce que la société veut de nous, on est dans un parcours sécuritaire et confortable et connu. La ligne souple, ça serait pour lui les moments d'écartade, les moments un petit peu dangereux, donc voler un fromage à l'épicerie, ensuite de ça, être infidèle. Avoir des petits moments dans des mondes interlopes. Tu sais, donc, il y a quand même de sortir un peu de la ligne formelle. Puis ensuite, il y aurait la ligne de fuite qui serait en fait cette ligne-là, ces lignes-là, ces multiples possibles qu'on a à l'intérieur de nous. Donc, il y aurait plusieurs Mathieu à l'intérieur de toi. Il y aurait des milliers de Mathieu à l'intérieur de toi qui attendent juste d'être saisis et d'être vécus. Donc, c'est toutes ces. Puis la ligne de fuite, c'est une ligne qui est dangereuse, une ligne qui est à l'extérieur du connu. Donc, c'est de se déterritorialiser pour se voir autre sous un autre angle, dans une autre perspective. Et c'est d'aller dans un. De se sortir des lieux communs. Qu'on a habité toute notre vie. Donc, c'est de se surprendre soi-même, là. Tu sais, ça peut être dangereux, selon lui aussi, d'emprunter cette ligne de fuite-là, parce que ça peut être un territoire hostile aussi. L'idée, c'était d'aborder d'abord au début du film, quand le groupe se retrouve, d'avoir une mise en scène où les 6 personnages vivent comme un seul personnage. Ils se déplacent en groupe, toujours ensemble, et de plus en plus les séparer finalement. Donc, à partir du moment où il y a l'éclatement, l'engueulade qui dure 45 pages dans le condo des personnages, ben là, il fallait les séparer, puis il fallait vraiment faire vivre la caméra autrement. Moi, c'est sûr que j'avais envie d'accentuer un peu la laideur, en quelque part. On peut dire qu'on est défraîchi, rendu à 1 h du matin, on a bu, on a chanté au karaoké, on a eu chaud, c'est la canicule. Donc, tout ça aussi, c'était important. Tu sais, ça contribuait à l'élément de tension, en quelque sorte. Étrangement, ça marchait bien. Fait qu'on a travaillé, ça a été assez particulier. On a presque tourné en chronologie. Donc, déjà, dans un premier temps, les 2 semaines avant de tourner, on a fait des lectures de table, on a répété, ce qu'on fait très peu chez nous au cinéma, on fait plus ça au théâtre, mais là, c'était nécessaire parce que, on avait énormément de dialogues, donc il fallait s'assurer qu'on questionnait rien en tournage, il fallait plonger en tournage. Donc, on a tourné pas mal en chronologie et on a gardé. La dernière portion du tournage, les dernières semaines, c'était dans la partie dans le condo.
on se disait que moi, je voulais commencer avec la première scène où les filles se retrouvent. Donc, notre première journée de tournage, c'était ça. On a profité de cette espèce de fébrilité de première journée de tournage qui correspondait en même temps à la fébrilité des filles qui se retrouvent, nos personnages à l'écran. Et on a construit un condo en studio. Parce que là, dans ce condo-là, plein de choses vont péter. Il va y avoir une tempête de grêle. Puis c'est un peu compliqué de faire ça dans une vraie maison. Et aussi, ça se passe de nuit. Donc, tout d'un coup, tourner pendant 3 semaines de nuit, tu sais, c'est pas super top pour le jeu des acteurs. Puis c'est pas super top pour la dextérité de l'équipe technique non plus. Pour l'avoir déjà fait, ça rentre dans le corps en brin. Fait que, donc, on avait au-dessus de notre décor un deuxième étage avec des passerelles où l'équipe des effets spéciaux circulait pour pouvoir jeter des faux grêlons sur les personnages et de la vraie glace à l'extérieur des fenêtres. On ne peut pas lancer de la glace sur des acteurs parce que ça fait mal. Donc, il a fallu inventer des grêlons en silicone. C'est comme des guimauves, là, mettons, même texture que guimauve, pour que quand ça tombe sur nos personnages, ça leur fasse pas mal. Donc, il y avait comme des grêlons de silicone dans l'appartement, il y avait de la glace à l'extérieur des fenêtres qui tombait. Il fallait tout refaire à chaque fois, redresser le décor, nettoyer, remettre les coupes en place, les verrues, etc. Donc, très peu de green screen, à peu près pas du tout dans le film, sauf un seul plan parce que je ne peux pas faire tomber de la vitre non plus sur les acteurs. Mais ça a été super parce que donc pendant 2 semaines, on a pu tourner cette espèce de déploiement, là, tu sais, la tension qui monte dans l'appartement et vraiment le faire en chronologie. Fait qu'on avait une méthode de travail que je n'avais jamais utilisée moi sur aucun autre film ou télésérie où on tournait pendant 8 heures, 9 heures. Ouf, c'est quelque chose parce que c'est quand même 9 heures d'engueulade en général. Dans les scènes, c'était ça. Et après ça, on regardait ce qu'on allait faire le lendemain. On bougeait dans l'espace, on répétait, on faisait la mise en place, on montrait à l'équipe. Ce qui fait que tous les jours, on a pu comme ça retomber sur nos pattes dans le jeu parce que c'était quand même particulier. Il y avait un crescendo dans la colère qui montait. Jour 8, il faut que tu te rappelles de où tu es parti, tu recommences là, tu sais. Jour 8 de tournage. Donc, c'était super intéressant. Puis à la fin, complètement, ce qu'on a fait pour le plaisir, un peu pour le défi aussi, on l'a tourné d'un seul trait. Et finalement, on s'est dit, ben, si c'est bon, c'est bon, c'est super, mais sinon, c'est pas grave, ça va juste nous clore, tu sais, ces 2 semaines de tournage-là. Puis finalement, il y a plein de moments dans le film qu'on a gardé de cette prise qui durait une carte complète. Hein, c'est des cartes maintenant, en fait, 35 minutes. Donc, c'était vraiment le fun. On avait vraiment l'intention de que Montréal soit un septième personnage. Montréal, l'été, c'est sexy, il y a comme la lumière, il y a une chaleur, il y a des festivals partout dans la ville. Elle est habitée, animée, il y a de la musique, il y a de l'ambiance, c'est chaleureux. Puis on voulait explorer Montréal, on voulait que Montréal soit à l'honneur, puis que ce soit un film un peu carte postale de la ville aussi, à quelque part. Donc, on a choisi des lieux mythiques, des lieux qui nous faisaient découvrir la ville aussi. Donc, on voulait cette rondeur, cette chaleur, cette sensualité-là qui émane de la ville là, quand il fait chaud, là, puis l'espèce de petite ambiance. Quand il fait chaud, là, il y a une espèce de petite brume là, au-dessus de l'asphalte. Moi, j'avais envie qu'on sente que Montréal est une île. Tu sais, Manhattan, souvent, c'est super. On le sait que c'est une île, New York, Manhattan. Tu sais, il y a quelque chose d'iconographique là-dedans. Puis, je me disais, mais pourquoi Montréal, on ne sent pas nécessairement le bord de l'eau? Tu sais, ça serait le fun de marcher sur le bord du canal, de marcher dans le vieux port, de voir le quai de l'horloge et tout ça. Fait qu'on a vraiment choisi des lieux, ben, entre autres, pour voir la ville et sentir la. Montréal, c'est sexy l'été, hein. C'est vraiment, c'est chaud, il y a beaucoup de festivals, il y a de la musique, on danse sur la rue. On avait envie de sentir ça. Donc oui, c'est des lieux qui font vraiment vivre la ville. On voulait que cette chaleur-là puisse nous imprégner aussi avec l'alcool. On était imbibés, on voulait que ça vienne aussi travailler sur le corps. Et on a voulu aussi mettre Montréal à l'honneur avec les artistes aussi au niveau musical. C'est un choix esthétique conscient d'amener Montréal aussi à l'honneur avec ses artistes musicaux. L'idée, c'était d'être vraiment dans l'ici maintenant. Donc, il fallait avoir. Il y a comme deux trames musicales. Il y a la musique vraiment d'aujourd'hui, puis il y a celles qui appartiennent à leur passé. Le film ouvre avec, entre autres, du Nelly Furtado. Donc, ça appartient plus à comme
quand elles étaient amies ensemble, enfin, du secondaire au cégep. T'sais. Fait qu'il y a vraiment comme deux trames. Puis on a décidé surtout de ne pas avoir de musique composée pour le film. Donc, ce qu'on entend dans le film, ce ne sont que des chansons qui jouent dans les lieux où les personnages se trouvent. Et à partir du moment où un personnage arrête la playlist du party, ben, il n'y a plus de musique. Donc, c'était quand même un beau défi parce qu'on avait envie que moi, je peux dire, on avait envie de ne pas aider le spectateur et de ne pas être smart avec lui, de ne pas être gentil avec le spectateur, puis de ne pas l'accompagner dans son émotion pour qu'il la vive seule, cette émotion-là. T'sais. Dans mon écriture, à chaque fois que j'écris, c'est très musical, il y a toujours une ambiance liée à ça, puis j'écris trois pièces de théâtre, et dans les pièces de théâtre, il y a des chansons qui sont écrites au début des scènes. Tu sais, la musique m'habite beaucoup. Je suis très habitée par ça quand j'écris, le rythme, les sonorités, les textures. Donc oui, on a fait un gros travail sur la bande-son. C'est cool! Il paraît que c'est super beau, votre festival. Puis moi, ça fait longtemps que je suis dans le festival parce que c'était la pandémie quand mon premier film est sorti. Fait que mon film s'est promené partout, mon cirque à moi, mais j'ai fait aucun festival. Fait que la dernière fois que j'ai vu des bulles dans un festival, je pense que j'étais à Trouville pour un court-métrage. Ça fait bien trop longtemps. Quoique j'ai beaucoup aimé le Carnot aussi. C'est vraiment chouette. Mais non, mais il paraît que vous avez un très, très beau festival. C'est un honneur pour nous que le film qu'il y ait un écho chez nos cousins. Oui, vraiment, que ça résonne chez vous, c'est vraiment... ben ça montre qu'on a quand même les affinités, là, tu sais, qu'on n'est pas si loin. La francophonie, ça fait qu'on n'est pas seul au Québec. Ça vient briser notre solitude d'Amérique du Nord. C'est surtout ça. Le Québec fait partie de cette francophonie, mais c'est sûr qu'il faut continuer de... Il faut, pour que le Québec continue d'exister, il faut qu'il maintienne sa langue. Donc, il y a quand même toujours au Québec une espèce de lutte intérieure pour essayer de maintenir le français. Il y a la loi 101 qui est là qui réglemente certaines affaires. Mais je pense que chez vous aussi, il y a beaucoup d'anglicisme, hein, si je me trompe pas. L'anglais fait beaucoup, vient vraiment, je vais aller dire vampirisé, là, mais c'est pas si négatif que ça, là, mais vient vraiment... s'installer dans notre langue, un peu partout, évidemment. C'est la langue mondiale de l'Empire américain.